santé à tous. Une fin de semaine qui s'annonce plutôt clémente en Vendée. À noter qu'à partir de mercredi, le thermomètre va chuter avec l'arrivée des premières gelées. C'est à confirmer. En attendant, on regarde le bulletin météo de ce dimanche 19 novembre. Et en matinée, eh bien, le brouillard domine. Il se dissipe au fil des heures, laissant place à de belles éclaircies. Alors quelques nuages s'imposent davantage, notamment, vous le voyez, sur les côtes vendéennes. Le mercure, lui, est stable. On compte 11 à 12 degrés de moyenne dans l'intérieur des terres, 13 degrés le long du littoral et jusqu'à 14 sur les îles. Dans l'après-midi, le ciel se partage, moments ensoleillés et moments plus nuageux. Les températures conservent leur douceur avec une moyenne de 16 degrés, hormis les îles qui, vous le voyez, obtiennent 15 degrés maximum. Allez, petit coup d'œil au programme des 3 jours à venir. Eh bien, lundi, ciel variable avec le retour de petites averses. Elles vont rester faibles. Le vent souffle toujours jusqu'à 55 km/h en pointe. Quant au mercure, on compte 9 degrés minimum le matin et 14 pour l'après-midi. Mardi, le brouillard nous accueille en matinée, suivi d'un ciel ensoleillé dans l'après-midi. Le mercure débute sa baisse. On compte 7 degrés minimum au réveil et 12 au plus chaud. Enfin, mercredi, petite douche froide malgré le soleil qui s'impose largement sur notre département. Eh bien, les températures baissent considérablement avec un minimum de 3 degrés et on compte pas plus de 9 degrés au meilleur de la journée. On revient à notre dimanche 19 novembre, jour de la Saint-Tanguy, variation du soleil moins 3 minutes. Et puis dernier point, les coefficients de marée sont de 56 et 52 avec une mer qui s'annonce belle. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles météos. À bientôt.